que les gens, bienvenue que dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous de trouver une tête de transformation numérique. Vous êtes prêts? Alors, go les gens! Thibaut est en train d'attendre son colis qui va arriver bientôt pour devenir maître. Ne vous inquiétez pas les gens, c'est rien, c'est juste que on est au foyer. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est le foyer. Donc du coup, les gens, voici ce que c'est un maître transformateur. C'est une personne qui peut se transformer un personnage avec sa maîtrise. Ok, bien. Il faut aussi son pendentif, comme ça, il peut recharger son maîtrise, comme ça. Il y a casquette qui est couvée, ça sert à rien. Ok, gens. Et du coup, par exemple, il y a juste à dire. Il y a juste à choisir. Comme ça. Hop, hop. Et pff, il se transforme. Ok, gens. On commence sur. Alors, go, les gens. Excusez-moi. Du coup, Thibaut. 2 heures après l'attente, il reçoit son colis. Il dit merci monsieur. Il signe un papier, voilà. Un papier, voilà. Bon, ça vous est fini? Oui, il donne le colis du valet. Ah, enfin. Pourquoi un bouton vert? Qui est aussi bizarre. Pourquoi un bouton vert? On veut y tuer. Salut! Ouais. Ok, d'accord, il part. Là, il y a un problème. D'abord, je ne vais pas ouvrir son truc, après, maintenant, il part. Non, t'as été sessionné sur les 10 meilleurs maîtres transformateurs pour devenir maître transformateur que le tout premier qui a la maîtrise qui part. Donc ça veut dire que si je veux me transformer, il faut que j'utilise la transformation plus ton prénom, ça. Oui, je vais sur Marc. Ok, d'accord, j'aime pas les greffes. Je suis pas un singe, je suis pas marié, ok. Ok, on se calme. Bon, est-ce que je vais faire? Il y a une inferno aussi. Jean-Marc transforme en inferno. Oh. Ça marche vraiment? Bout de feu! Punaise, ça marche vraiment. Quand tu transformes, tu dis rotation. Rotation. Mais Jean-Marc, une question. Oui, Thibaut. Comment ça se fait que quand on transforme, on dit ton prénom, quand on ne transforme pas, on dit ton prénom. C'est normal. C'est différent. Quand tu transformes, tu t'es obligé de mélanger ton prénom. Mais quand tu te transformes, tu n'es pas obligé de dire mon prénom. Ah d'accord, c'est compliqué, mais bon, ça va, j'ai compris. D'accord, t'es prêt? Bon, on est parti pour que tu deviennes un maître transformateur. C'est parti. Pourquoi est-ce noir? Oh non. Quoi, Jean-Marc, ça fait? J'ai rien fait, moi, c'est Magicou. C'est qui, Magicou? Un méchant qui veut détruire la Terre. On est mal. Je vis qui c'est Magicou, les gens. C'est un méchant qui veut détruire la Terre et tous les autres univers. Donc, du coup, Jean-Marc et Thibaut. Enfin, Thibaut et Jean-Marc, je veux dire, vont se mettre en but de détruire Magicou. Le problème, c'est qu'il existe dans tout l'univers. Donc, il n'y a pas plusieurs Magicou, il y en a qu'un seul. Rassurez-vous. Et du coup, Magicou a aussi une maîtrise. Mais en mode maléfique, celui-là. Du coup, il est plus fort. D'accord, c'est très bien, c'est vraiment marqué, mais bon, comment ça, il est plus fort que moi. Comment dire ça? C'est un maître transformateur puissance 10. Attends, puissance 10? Oh la vache. Putain.
En fait, les gens, pendant qu'ils sont sortis, il y a plusieurs niveaux de puissance. Et le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Ok, les gens? Pour l'instant, Thibaut n'est qu'au puissance 0. C'est en fonction de combien il y aura de transformation qu'il y aura et quelle transformation qu'il y aura récupéré et aussi combien de transformations. Ok, les gens? Il faut qu'il récupère des points pour récupérer, pour débloquer le niveau de puissance 1, puissance 2, tout ça. Parce qu'il y a des points de transformation à récupérer. Et si on ne récupère pas, ils sont perdus pour toujours. Ok, les gens? Bon, vous avez compris, les gens? J'espère. On continue l'histoire? Et gueule, les gens! Du coup, Thibaut commence la route. Dis donc, Jean-Marc, je pose une question. Oui, Thibaut. Comment on fait pour scanner la hyène? Rien de facile avec les combattre. Ok, tu veux dire que. Oui, tu peux les combattre et après les mettre dans son trite. Et tu y as déjà, tu n'y arrives pas un point. Ah, cool, c'est-à-dire que si j'ai un hyène et que c'est le même. Si je commande une qui c'est même que c'est une du même que j'ai, ben il se transforme en point de transformation. C'est ça, tout compris, t'as compris. Donc du coup j'ai pour l'instant j'ai qu'une ferme, c'est bien ça. Si je commande un inferno, il transformera en point de transformation. T'as tout compris, c'est bien ça. Eh, ça va, j'ai un tort. Alors les gens. Bon, on continue. Du coup, Thibaut voit un jador que je lui ai dit, il va essayer de le combattre. Hey, toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, un mec de transformation. Tu veux le combattre? D'accord, bah tu Oh merde. Son ultimate. Mais attends, c'est. Régénère. Non, j'ai. J'aime. Non. Non, tu vois. Il n'y a que son ultimate. Voilà. Donc du coup, il voit qu'il y a 2 contre 1. Donc du coup, il va devoir y battre les deux personnages jusqu'à ce que c'est un. C'est comme un alien, mais en plus fort. Chaque alien a un ultimate. Enfin, pas tous les aliens, mais bon, certains ont un ultimate. Pour être plus fort. Ok, genre? Par exemple, Régénérator, il peut se transformer en ultimate générateur. C'est un arbre, mais avec une capuche bleue. Ok, genre? Un peu comme parapluie, on va dire. Faut que le parapluie, il est cassé en deux, il n'y a que le chapeau qui est mis. Ok, les gens? Bon, les gens, je vous laisse parce que là, c'est pas que j'ai plus d'idées, parce que j'ai envie d'arrêter. Ok, les gens? Donc, je vous ai besoin de plus de vidéos, et surtout d'être plus dans le jeu. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Thibaut va réussir à attraper deux premiers derrière? Ou est-ce que il va venir quand je vois ça? Ou est-ce qu'il va perdre? Parce que s'il perd, il devra donner son maîtrise à Staline. Et oui, les gens, c'est con et c'est chiant. Sur ce, les gens, je vous ai une vidéo, c'est tout. La plus grande. Ouais.